C'était le même, mais c'était le même, t'as mis, c'est ça. C'était le même.
même le vent, ils vont aussi vite. Bon, moi je suis satisfait, même si voilà, c'est un 0-0 contre Colomiers. Colomiers, c'est quand même une des références au niveau des écoles de foot de la région. Voilà, donc là, par rapport à la semaine dernière où on avait perdu 5-2 à Castres, au-delà du résultat qui n'est pas très important dans cette catégorie, voilà, j'étais pas très content de la prestation qu'on avait fait, l'état d'esprit. Et là aujourd'hui, ben, je suis content parce que je trouve que c'est un bon 0-0, on a respecté les consignes, tactiquement voilà, on progresse. Je suis un peu plus fatigué que la semaine dernière, voilà, même si j'ai pas joué, mais il fallait être un peu plus. On est un peu plus présent par rapport aux joueurs, mais bon voilà, je suis content du score et de l'évolution et surtout de la réaction par rapport à l'état d'esprit la semaine dernière. Comment est le moral des joueurs du coup après ce match? Oh, le moral ça va, après nous voilà, on joue pour jouer puisque la catégorie, enfin la fin quoi qu'il arrive, on monte pas, on descend pas, il nous arrive rien. Mais bon c'est bien parce que on entame là une série difficile avec Colomiers, la semaine prochaine le TFC, la semaine d'après Muret. Voilà, donc trois équipes toulousaines qui sont références. Donc voilà, commencer par un 0-0 contre Colomiers chez nous, avant d'attaquer donc, le TFC Muret, c'est bien. Voilà. Surtout que ça fait 15 jours, 3 semaines, on a du mal à s'entraîner avec toute la section, les crosses et tout ça, où on ne s'entraîne pas trop en groupe. Donc voilà, donc, là, c'est bien. Et je pense qu'ils sont heureux, ils sont contents, ils ont pris du plaisir, c'est l'essentiel.